Moi, je m'appelle Olivier Peset, je suis conducteur de travaux de l'entreprise AB. Et sur chantier, on est chargé de réaliser tout le gros œuvre, donc c'est-à-dire toute la partie béton de l'hôtel. La structure, c'est du béton et des aciers. Le béton qui sert de résistance en compression et les aciers en traction. Donc le béton, c'est un mélange d'agrégats, donc de gravier, qui viennent de là, ici, et de ciment. Avec de l'eau, ça fait un liant. Et une fois qu'il est dur, que la réaction chimique s'est faite, on a une résistance de 28 mégapascales à 28 jours. Ce chantier pourrait être un chantier classique, sauf que sur ces 6 mois, il y a 4 mois de plein hiver. Donc on a choisi de passer en préfabrication sur les murs, les dalles, les pré-dalles, et les escaliers, les poutres, tout ce qu'on pouvait, on l'a délocalisé en usine, au chaud, pour ne pas subir les intempéries. C'est d'assurer la liaison entre l'architecte, les autres corps d'État et les ouvriers sur place. Sur chantier, il y a beaucoup de livraisons puisqu'on a travaillé en préfabrication. Donc c'est en moyenne une semi par jour qui arrive des usines. Donc toute cette organisation à ne pas louper pour pas que les ouvriers attendent le matériel sur place. L'essentiel, c'est quand même qu'il faut remercier tous les ouvriers qui ont participé et qui ont subi toutes les intempéries et les conditions climatiques de l'hiver. Voilà, sans eux, sinon, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.